Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parlera de différents aspects psychologiques ainsi que de tous les éléments qui vont vous amener vers un nouveau record. Avant ça, c'est comme toujours, c'est le petit rituel. Allez, on envoie l'intro. Alors à la base, pour être tout à fait honnête avec vous, je voulais pas faire une vidéo sur mon père au squat clean, tout simplement parce que j'y vois pas trop l'intérêt, étant donné que un PR, donc un personnel record, c'est bien, mais c'est juste bien, très bien même pour les réseaux sociaux, parce que ça fait, les gens, ils assimilent toujours ça, notre niveau de fitness, mais un PR n'est pas représentatif du niveau de fitness, ni votre capacité à soulever une charge lourde. Sinon dans ce cas-là il y aurait que des haltérophiles qui seraient au devant de la scène au niveau du crossfit, mais ça c'est vraiment quelque chose qui fait entre guillemets le buzz sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas du tout représentatif de votre niveau de fitness. Je connais un tas d'athlètes qui n'ont pas des énormes max mais qui ont un niveau de fitness très élevé, mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir ce degré de force assez important si vous voulez performer, on va dire, à très haut niveau au crossfit, parce que c'est souvent une épreuve d'haltérophilie, de force ressort. Mais après voilà, c'est vrai que j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Mais après avoir lu quelques commentaires et quelques remarques ou de personnes, bon je vais réinciter parce que même je m'en rappelle plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui de suite émettent certains doutes, etc. aussi concernant, ok c'est facile, il fait des pairs pendant le confinement, c'est douteux, ils sont suspicieux. Bon, il y en a toujours, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est un peu fatigant de tout le temps, dès qu'on fait un record, et que les gens de suite disent, ouais, pendant le confinement, bah, du coup, c'est facile parce que, il n'y a pas de contrôle. Du coup, je parle des contrôles antidopage, et il n'y a pas de contrôle, donc les athlètes, j'en ai vu mettre, ces athlètes, ils en profitent pendant le confinement pour charger comme ils veulent. C'est fatigant, c'est usant, et croyez-moi, ce confinement, il est dur pour tout le monde, hein, même si j'ai un home gym, etc., etc. C'est vrai que le fait qu'on ait des incertitudes sur tout le reste de la saison, c'est compliqué, et ça met tout le monde dans une dynamique un peu assez négative, et en tout cas, pour en avoir parlé avec pas mal d'autres athlètes, c'est dur de s'entraîner en ce moment, mais après, il faut garder la motivation, hein. Quand on n'est pas motivé, il faut être discipliné, voilà, ça vient pas de moi, mais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de m'appliquer. Donc voilà, c'est fatigant de lire toujours ces commentaires négatifs, ces gens, etc. Maintenant, je commence à avoir l'habitude j'ai commencé à créer une petite carapace vis-à-vis de toute cette remarque ou tous ces doutes concernant le dopage. Et comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je prends ça comme un compliment. Si les gens pensent que je me dope, c'est que je fais des choses pas trop mal. Donc merci à eux de me complimenter en tout cas. Mais la réalité, c'est tout autre chose. La réalité, c'est que ce PR, vous voyez quelque chose de bien, waouh, il a réussi un PR, etc. Ou même ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que ça représente une infime part de l'entraînement, parce que de un, on ne fait pas tout le temps que de la force, mais c'est tout le temps ce qui passe bien, et c'est surtout, en tout cas moi j'ai tout le temps, je pense tout le temps mettre mon portable ou quoi quand je fais de la force, parce que c'est beaucoup plus facile. Quand je fais un WOD ou quoi, je n'ai pas envie de mettre mon portable, ou même souvent mon portable il me sert de chrono. Donc voilà, j'y pense pas du tout, mais c'est vrai que ça fait bien, et que donc sur les réseaux sociaux c'est ce qui marche bien, c'est ce qui permet de développer un peu, on va dire, la communauté, c'est ce que les sponsors aiment bien également, donc les athlètes joue aussi le jeu, et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus facile de poser son portable et de filmer sur une rep d'haltérophilie que de filmer un WOD de 40 minutes où on va courir sur un runner sur différents intervalles et différents pacing. Il n'y a aucun intérêt, en tout cas pour vous, il n'y a personne qui va dire « Waouh, elle est géniale cette vidéo de toi en train de courir pendant 45 minutes sur un runner comme un hamster. » Donc c'est, c'est la réalité. Et comme je l'ai dit, la réalité, c'est aussi le fait que ça représente une infime part de tout ce qu'on fait, et surtout que c'est les PR, les choses réussies, c'est juste la partie haute de l'iceberg. Donc tous les échecs, tous les fails, tous les déboires aussi bien, ça peut être les baisses de motivation, etc. C'est 80-90% du temps d'un athlète, hein. On passe toujours par toutes ces phases, et il faut en avoir conscience, et voilà, c'est pour ça que je veux pas vendre du rêve à tout le monde. Je vais être franc dans cette vidéo en vous disant que voilà, vous voyez les PR, mon père, là en l'occurrence c'est mon père à 180 kg au squat clean, mais je peux vous dire que ce PR à 180 kg au squat clean, et ben avant il a été précédé par une multitude d'échecs, hein. 180, je l'ai cliné au moins 2 ou 3 fois avant, je l'ai pas remonté parce que j'ai pas réussi au niveau du squat,
mais je savais que j'avais le tirage. Mais après, ça représente des heures et des heures d'entraînement, et surtout des heures et des heures d'entraînement avec une multitude d'échecs. C'est ça ce que j'ai, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que c'est tous ces échecs qui m'ont amené à ça. Mais c'est tous ces échecs, voilà, on ne va pas les montrer sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a un tas de personnes qui ne le montrent pas, et moi aussi, hein, j'en fais partie, mais parce que c'est pas intéressant. Mais je veux vous faire comprendre que c'est tous ces échecs qui vont vous amener à ces PR et à ces moments de réussite. Et il faut passer par là, il faut en bouffer de l'échec. Hein. L'échec, c'est la meilleure des leçons, hein, comme tout le monde a tendance à le dire dans les belles phrases philosophiques qu'on voit passer partout sur Instagram. Mais c'est une réalité, et il faut en avoir conscience, et surtout, il faut l'appliquer. Par exemple, je peux vous montrer, ça, c'est une vidéo qui date d'il n'y a pas si longtemps, j'ai fouillé un peu dans mon portable. C'était quand, voilà, une barre à 130 kg au squat snatch. Normalement, à cette période, c'était une barre que je passais relativement fréquemment. Quand je dis fréquemment, ça peut être une fois ou deux fois par semaine, mais pas plus, hein. C'est surtout quand je suis en très grande forme, parce que c'est vrai que quand on bouffe pas mal de cardio, etc., c'est dur de garder les composantes fortes hautes. Il faut trouver le juste milieu, en quelque sorte. Et voilà, donc je vais vous montrer la petite vidéo. Voilà, c'est un snatch à 130 kg. J'étais confiant, et ben je fail. Mais en tout cas, ce fail, il m'a permis comment ça s'appelle, de me construire, et en tout cas de m'amener vers des barres un peu plus lourdes. Donc il faut en avoir conscience, et surtout il faut l'appliquer. Et comme je l'ai dit, je veux pas vendre du rêve à tous ces jeunes qui commencent le CrossFit, ou tous ces moins jeunes, et qui pensent que voilà, hein, la vie d'un athlète de haut niveau, c'est 100% de barres réussies ou de choses positives. Non, c'est pas le cas. Et sinon, ça serait pas marrant, et surtout sinon, il y aurait pas de réussite, hein, parce que comment apprécier la réussite s'il n'y a pas d'échec avant? En tout cas, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, encore une fois, je le répète. Pour la petite histoire sur ce PR à 180, comme je l'ai dit, c'est une barre que j'ai souvent clinée, bah souvent, c'est comme deux, trois fois. Hein. Clinée, c'est-à-dire que je l'ai épaulée, je l'avais sur les épaules, mais je ne suis pas remonté. Donc je savais que j'avais le tirage en quelque sorte, et aussi les signes indicateurs qui me confortaient dans le fait que je pouvais la passer, c'était le fait que 170 et 175 devenaient une barre régulière que je passais chaque semaine depuis des mois, hein, quasiment, hein, donc je la passais souvent à 170, hein, c'est plus une barre qui me faisait peur. Et donc voilà, je savais que j'étais dans la bonne direction, et que il y avait potentiellement cette barre à 180 qui pouvait tomber le jour où tous les facteurs seraient réunis, où la forme serait là, etc., etc. Voilà, comme je l'ai dit, c'est toujours un ensemble de facteurs. Ces facteurs doivent converger dans la même direction et au bon moment pour qu'un PR se produise. Hein. Et ce PR, souvent, il est la résultante de heures et des heures d'entraînement et aussi pas mal d'échecs. Ma semaine avait commencé difficilement parce que j'avais fait le lockdown lift-off, le WOD qu'on fait avec Nicky Rancard et d'autres athlètes. C'était le WOD 2 c'était un WOD horrible avec des thrusters, des squat clean à 70, ça faisait 5 squat clean. 7 shoulder to overhead et 9 thrusters, barre à 85 kg, 5 tours, 6 tours, pardon. Et voilà, j'ai donc autant vous dire que le lendemain de ce WOD, en plus j'étais allé un peu fort parce que je voulais faire un bon temps, le lendemain de ce WOD, j'étais courbaturé de partout et j'avais mal partout, j'avais le corps qui était vraiment, vraiment dans un sale état, mais dans le bon sens du terme. Et donc le mardi, j'avais une séance de prévue avec Wiz Plus, Wiz Training, j'ai pas pu la faire, donc j'ai fait une séance de row et burpees simple, un truc un peu pour envoyer du sang dans tout le corps, hein, qui me permet de récupérer, mais qui me fasse aussi un peu bosser, parce que c'est vrai que si je fais quelque chose de trop tranquille, j'ai l'impression de pas avoir bossé, comme tout le monde. Et donc voilà, j'avais pas pu faire la séance normale, j'avais fait ça, et je pense que ça m'a fait du bien aussi, parce que du coup, le fait d'avoir fait cette séance très difficile de rameur et de burpees, le mardi, ça m'a permis aussi de récupérer. Bon, le mardi après-midi, je m'étais entraîné normalement, parce que du coup, le matin, ça m'avait permis d'envoyer un peu de sang, donc les courbatures étaient entre guillemets cachées, ou c'était un peu atténué. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis le lendemain d'être dans une bonne forme pour réaliser ce PR. Pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ok, d'accord, c'est ton PR au clean, mais c'est quoi ton PR au clean, GR qui est au snatch ?» Mon PR au squat snatch, je l'ai réalisé il y a un an et demi maintenant, pardon, à Dubaï, c'était 135 kg. Voilà, c'est une barre que j'ai tentée qu'une seule fois et que j'ai réussi. Et on va dire que 130 kg, c'est une barre que j'ai passée une multitude de fois dans ma carrière, et à chaque fois que je passais 130 kg, je préférais faire deux fois 130 kg d'entraînement plutôt que une fois 130 et une fois 135, et vous voyez, parce qu'il y avait de grandes chances que 135 je la faille. Je suis quelqu'un qui préfère faire plus de reps à un poids inférieur plutôt que de tenter une one rep max à tout prix. 135, record au squat snatch. Mon record au squat clean and jerk, c'est tout simplement 160 kg.
Et mon record au Power Clean and Jerk, c'est 157,5 kg, pardon. J'avais des doutes, je ne savais plus si c'était 158 ou 157,5. J'ai pas la vidéo de ces deux PR, parce que souvent, bien souvent, quand je m'entraîne aussi bien, ça pouvait être à l'UTS ou dans une box ou dans mon gym, j'utilisais mon portable comme timer sur les EMOM parce que ça permet de biper. Et par contre, j'ai la vidéo de mon 155 kg que j'ai réalisé en Power Clean and Push Jerk à Dubaï, il y a de ça quelques mois, et ben je l'envoie. Ceux qui se demandent pourquoi push jerk, tout simplement parce que push jerk c'est le mouvement avec lequel je suis à l'aise. Pour la petite anecdote, à la base, je voyais tout le temps quand j'ai commencé le crossfit et dans mes premières années, il y avait tout le temps Guillaume Manoa qui était le plus fort, je crois, à l'époque, et qui faisait tout en push jerk, jamais en speed jerk. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais faire comme lui, je vais faire tout en push jerk. Et en final, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en push jerk qu'en speed jerk. Après, voilà, parce que tous les gens pensent que le speed jerk c'est quelque chose de facile et beaucoup moins technique que le push jerk, mais je peux vous garantir que le speed jerk c'est quelque chose d'ultra technique. Et c'est pour ça que je préfère le push jerk, parce que voilà, j'ai un gros speed jerk, hein, par rapport à gros, quand je dis par rapport à mes barres, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en push jerk. Et donc voilà, et quand c'est toujours sur des ladders, même quand c'est sur des ladders lourds et tout, c'est plus facile de faire un push jerk parce que vous perdez pas de temps à ramener vos pieds parallèles pour ensuite que la rep soit validée. Donc je me suis dit, autant qu'à faire, bosse ton push jerk et un push jerk très lourd, comme ça le jour où t'as un ladder en compétition, quoi que ce soit, même sur des barres lourdes, tu perdras pas de temps. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais que du push jerk quasiment, mais je bosse aussi le speed jerk, mais j'en vois pas l'intérêt pour le moment. Et sûr que le jour où je voudrais taper une énorme barre au clean jerk, ben, je sais qu'il faudra passer par le speed jerk. Après avoir parlé de mes max, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'auraient posé la question si j'en avais pas parlé, maintenant on repart, c'est du coup le mercredi. Le mercredi, je me sentais bien dès le matin, hein, j'ai fait ma session du matin, toujours Wiz Plus, hein, c'est la programmation que je suis et que je fais. Et l'après-midi, du coup, je me suis lancé dans ma séance de squat clean and jerk. Et du coup, c'était des squat clean and jerk, il y en avait pas mal. Si mes souvenirs sont bons, c'était 3 à la minute. Et il y avait différents poids qui montaient avec différents intervalles de minutes, etc. C'était vraiment pour quelque chose de progressif qui nous amenait à enchaîner pas mal de squat clean and jerk. T'as des pourcentages assez hauts dans la même minute. Et à la fin, je me sentais drôlement bien et j'étais un peu fatigué au niveau des cadres, mais c'est normal parce que quand vous faites une séance d'endurance comme ça, vous avez toujours les jambes qui sont fatiguées. Mais je me sentais bien et je me suis dit, bon bah allez, monte un peu sur une rep au squat clean pour voir. Je voulais juste dans ma tête, je m'étais dit, allez, tu fais une rep à 170 et c'est bien, comme ça j'aime bien entre guillemets terminer par une rep à 170. Et je me dis, ok, c'est cool, elle passe, ça me rassure et je sais que c'est une barre que je maîtrise et qu'il n'y a pas de souci avec celle-là. Donc, je commence à ma gamme montante et je me sens vraiment vraiment bien. Donc je fais une rep à 160, du coup j'en fais une deuxième parce que j'aime pas faire qu'une seule rep à un seul poids. Donc j'en fais une deuxième, je me sens bien, je mets 170. Pareil, je fais une première rep, je me sens vraiment bien. Une deuxième rep, je me sens vraiment bien. Je dis ok, bon bah allez, vas-y, hein, c'est retente là. Ça faisait un petit moment, ça faisait 2 semaines je crois que la dernière fois que j'avais tenté 180 et que j'étais resté en bas en position front squat pour la photo. Et donc je mets la barre et je charge la barre pardon à 180. Je me dis allez maintenant là faut que t'envoies. Et souvent je me dis, c'est tout bête hein, mais je me dis tu filme-toi, mets le portable, ça va te booster encore plus parce que je me dis il y a le portable, tu peux pas, il est en train de te filmer, ta vidéo elle va servir à rien sinon. Donc t'as pas le droit de louper. Donc c'est une attitude que j'ai toujours. Je me dis c'est comme quand quelqu'un, c'est le même principe quand quelqu'un te regarde, hein, t'as pas envie de louper devant lui. Hein, bah là devant le portable, je me dis putain t'as pas envie de louper. Et il y avait quelques personnes qui m'avaient un peu énervé, on va dire, avec des attitudes, des remarques et tout à droite à gauche. Dans certains commentaires, c'est toujours pareil, hein, comme j'en parlais dans ma précédente vidéo, je fonctionne comme ça, hein, quand je vois tout et quand il y en a certains qui me titillent, je dis rien, mais ça reste là. Et donc j'étais bien motivé, j'ai mis l'énervement au service de bonnes intentions, comme j'ai tendance à le dire. Donc voilà, j'étais énervé dans le sens où je voulais vraiment la passer cette barre et montrer que ok, bah 180, je peux la cocher de ma to-do list. C'était ce que je voulais faire en squat clean un jour, au moins une fois dans ma vie. Et bah après, je dis pas que j'ai pas envie de faire plus maintenant, mais mais en tout cas, ce que je voulais faire. Et ben, je vous laisse regarder ce squat clean à 180.
Comme vous avez pu le voir, j'étais content. C'est normal. C'était vraiment un accomplissement, mais je le répète, ça sert pas à grand-chose. C'est vraiment une barre très lourde comme ça au squat clean, très lourde pour un crossfitter. Ça sert pas tellement à grand-chose. Je préfère, comme j'ai souvent tendance à le dire, hein, pour le jour où je serai capable de faire 10 squat clean à 140 dans la même minute, je trouve ça nettement plus utile pour un crossfitter qu'une barre très lourde au squat clean, même si c'est vrai que d'avoir un squat clean très lourd, ça peut vous aider pour les barres moins lourdes à enchaîner, mais l'endurance de force, c'est quelque chose qui doit se bosser à part entière, parce que sinon, dans ce cas-là, tous les haltérophiles seraient très forts sur des gros volumes de reps à des barres mi-lourdes, mais c'est pas toujours le cas, même s'il y en a qui sont très bons. C'est bien pour les réseaux, mais ne vous y trompez pas. Les barres lourdes ne sont pas révélateurs de votre niveau en CrossFit ni de votre niveau de fitness. C'est simplement pour. En tout cas, pour moi, je le prends vraiment comme ok, c'est cool, tu as fait ton 180 kg. Tu pourras dire un jour j'ai cleané 180 kg, mais j'espère faire plus. Et je le répète, c'est ce 180 kg est arrivé après des semaines, des mois où à maîtriser 170 kg, je ne suis pas passé de 150, 160 à 180. Ça a été des mois à maîtriser 170, à maîtriser même 175, et ensuite à taper un 180. Déjà maîtriser vos barres inférieures, c'est-à-dire vos 90, 92, 93% au grand maximum, maîtrisez-les, faites-en plusieurs. C'est plus intéressant de faire plus de reps à 90% que d'en faire une seule à 97, par exemple. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et pour le CrossFit. Soyez réguliers, cherchez de la consistance dans vos entraînements et dans vos barres, et vous verrez que les PR, le jour où tous les facteurs sont réunis, et ben, ils vont tomber. Et il faut juste simplement avoir confiance en vous. C'est très important, et ne pas se voiler la face en imaginant que tout est fait de PR ou de barres réussies. Il y a beaucoup, beaucoup de fails, bien plus que de barres réussies, croyez-moi. Le nombre de fois où je fail, où mes entraînements se passent mal, où je suis pas content de moi, où je remets en question, on remet vite en question, hein, les sportifs, hein, on a souvent cette tendance à tout remettre en question d'un coup, mais c'est aussi ce qui fait notre force, et c'est aussi après avoir remis ça en question, comment vous allez réagir, c'est ça aussi qui va déterminer comment vous allez progresser. C'est important d'en avoir conscience, de servir de ça, et de savoir qu'il faut passer par ces moments d'échec, il faut passer par ces moments de doute, il faut passer par ces moments de remise en question, il faut passer par toutes ces fois où on a l'impression de bosser pour rien. Il faut y passer, il faut y passer, il faut y passer, il faut se remettre en question, mais des fois, il faut aussi continuer à y aller sans vraiment tout remettre en question d'un coup pour pouvoir repartir à zéro. La remise en question, c'est bien, mais faut la faire dans le bon sens du terme, comme j'ai souvent tendance à le dire. Et c'est le message que je voulais faire passer au travers de cette vidéo, après avoir reçu pas mal de messages de jeunes ou de moins jeunes qui me demandaient un peu pour aussi ce PR, comment j'arrive à ça au niveau des grosses barres, etc. Et je veux vraiment pas leur vendre du rêve, ni leur vendre de mensonges, leur dire, bah, il y a le travail, le travail, le travail, le travail, les échecs. Et faut en bouffer, faut avoir confiance en soi et accepter l'échec. Accepter l'échec, c'est vraiment à demi-mesure. C'est-à-dire qu'il faut accepter de passer par ces moments, mais il faut toujours, jamais se résilier à que cet échec vous détermine et que ce soit la fin de votre aventure. Il faut que cet échec, il vous amène à quelque chose d'encore meilleur. C'est important et c'est applicable pas qu'au CrossFit, c'est applicable dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, j'essaie de me l'appliquer parce qu'il ne faut pas croire que les athlètes de haut niveau ou les athlètes des Games, on est des gens qui ne doutent pas, qui n'ont pas de mauvais moments, de moins bien, etc. Moi, en tout cas, vous pouvez demander à Amélie, elle le sait, elle me voit au quotidien. J'en ai beaucoup des mauvais moments, je doute beaucoup de moi, etc. Mais ça fait partie du jeu, il faut en avoir confiance. Et ce qui nous détermine, c'est comment on réagit face à ces moments. Ce n'est pas le fait de douter, ni le fait d'avoir des mauvais moments qui nous détermine, c'est comment on réagit face à cela. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je parlais simplement d'un PR au squat clean, mais j'avais un message à faire passer. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vais essayer de vous proposer d'autres vidéos un peu plus sympas dans les semaines à venir. C'était un peu compliqué avec ce confinement, etc. Continuez à vous entraîner, continuez à suivre Wiss Training. Ça me fait toujours plaisir de voir un maximum de personnes et de voir la communauté Wiss Training grandir. Je vais continuer à vous proposer des home workouts. Et surtout, restez chez vous, continuez à bouger, c'est super important. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça me fait toujours plaisir et ça me montre que mon contenu vous plaît et que je suis dans la bonne voie. Je vais continuer mes vidéos, en tout cas pour ma part, et à la prochaine pour d'autres épisodes.